Salam alaikum, bonjour les élèves de la troisième année, bienvenue avec moi dans cette vidéo où on va voir une situation de communication, la coopérative scolaire. La coopérative scolaire, c'est-à-dire en arabe, Ta'awuniya al-Madrasiya. La coopérative scolaire, l'arabie, est Ta'awuniya al-Madrasiya. J'écoute et je comprends. J'écoute, estamé, je comprends, wa afam. Regardez ici, on a la première image. Regardez bien cette image. La deuxième image et la troisième image. Et en bas, on a des questions. Avant l'écoute, avant l'écoute, on va répondre à la question 1, 2, 3. Quelles sont les personnes qui figurent sur l'image? Observe la première image où se trouvent ces personnes. À ton avis, que chantent ces apprenants dans la première image? Après l'écoute, بعد الحوار الذي سأشرح لكم جيدا. La question 4. Qu'est-ce que l'association des parents a apporté à cette école? ماذا أحضرت جمعية آباء إلى هذه المدرسة? Qui sont les apprenants qui accompagnent l'association des parents? منهم التلاميذ الذين رافقوا جمعية الآباء. Que font ces personnes dans la troisième image? ماذا يفعلوا هؤلاء الأشخاص في الصورة الثالثة? Qu'en est-il une association? هل تعرفوا جمعية ما? Revenons aux images. Regardez la première image. Quelles sont les personnes figurent sur l'image ici? Quelles sont les personnes منهم الأشخاص الموجودين في الصور? Quelles sont les personnes figurent dans cette image? Ce sont les apprenants avec leurs enseignants. L'enseignante et l'enseignant. Avec leur enseignant. Ici, c'est la directrice de l'école. Cette femme, c'est la directrice de l'école. Et donc, هؤلاء هم التلاميذ. مدرسة والمدرس. وهذه هي مديرة المدرسة. La question numéro 2. Observe la première image. Où se trouvent ces personnes? لاحظ الصورة الأولى. أين يوجد هؤلاء الأشخاص? Ces personnes se sont dans la cour d'une école. Se sont dans la cour d'une école. إذن هم في ساحة المدرسة. À ton avis, que chantent ces apprenants dans la première image? إذن في رأيك ماذا يردد هؤلاء الأطفال؟ إذن يرددون النشيد الوطني. هنا العالم الوطني أمام العالم الوطني يرددون النشيد الوطني. Ils chantent l'hymne national. Les apprenants chantent avec leurs enseignants, chantent l'hymne national et devant lui, devant leur, le drapeau marocain. Maintenant, on va écouter le dialogue pour répondre à la question 4, 5, 6 et 7. Racontez-nous ce que vous avez fait. D'abord, nous avons été reçus par la directrice de l'école. Ensuite, nous avons chanté l'hymne national avec les élèves de l'école. Qu'est-ce que vous avez fait après? Nous sommes allés dans la salle de bibliothèque. Vous avez donné des livres à nos camarades de cette école? Non. Ensemble, nous avons rangé les livres dans les rayons de la bibliothèque. Avant notre retour, la directrice nous a remerciés et nous a remis le diplôme de l'école citoyenne. Bravo les amis! Racontez-nous ce que vous avez fait. D'abord, nous avons été reçus par la directrice de l'école. Ensuite, nous avons chanté l'hymne national avec les élèves de l'école. Qu'est-ce que vous avez fait après? Nous sommes allés dans la salle de bibliothèque. Vous avez donné des livres à nos camarades de cette école? Non. Ensemble, nous avons rangé les livres dans les rayons de la bibliothèque. Avant notre retour, la directrice nous a remerciés
et nous a remis le diplôme de l'école citoyenne. Bravo les amis! Et c'est le dialogue. Je vous lis le dialogue. Racontez un événement social. Élève 1, racontez-nous ce que vous avez fait. Enfant 1 de la coopérative scolaire. D'abord, nous avons été reçus par la directrice de l'école. D'abord, nous avons été reçus par la directrice de l'école. Enfant 2 de la coopérative scolaire toujours. Ensuite, nous avons chanté l'hymne national. L'hymne national, Wanashid Watani. Avec les élèves de l'école. Enfant 2, qu'est-ce que vous avez fait après? Élève 2, nous sommes allés dans la salle de bibliothèque. Vous avez donné des livres à nos camarades de cette école? Non, ensemble nous avons rangé les livres dans les rayons de la bibliothèque. Ensemble nous avons rangé les livres dans les rayons de la bibliothèque. Avant notre retour, la directrice nous a remerciés et nous a remis le diplôme d'une école citoyenne. Les enfants tous en chœur. Bravo les amis. Maintenant, je vous explique le dialogue. Racontez-nous ce que vous avez fait. D'abord, nous avons été reçus par la directrice de l'école. اولا استقبلنا من طرف مديرة المدرسة لا ديريكتريس هي مديرة المدرسة لا ديريكتريس دو ليكول ensuite وبعد nous avons chanté l'hymne national avec les élèves de l'école nous avons chanté قد رددنا l'hymne national نشيد الوطني نشيد الوطني avec les élèves de l'école مع تلاميذ هذه المدرسة. Qu'est-ce que vous avez fait après? ماذا فعلتم بعد؟ Nous sommes allés dans la salle de bibliothèque. Nous sommes allés ذهبنا dans la salle de bibliothèque إلى المكتبة. La bibliothèque هي المكتبة. Vous avez donné des livres à nos camarades de cette école? هل أعطيتم كتبا إلى أصدقائنا في هذه المدرسة أو رفاقنا في هذه المدرسة؟ نو لا. Ensemble nous avons rangé les livres dans les rayons de la bibliothèque. Ensemble مجموعين nous avons rangé رتبنا les livres الكتب dans les rayons في رفوف المكتبة dans les rayons de la bibliothèque. إذا مجموعين جميعنا رتبنا الكتب في رفوف المكتبة. Avant notre retour, قبل رجوعنا, la directrice, المديرة, nous a remercié, شكرتنا, et nous a remis le diplôme, وأعطتنا le diplôme, أي شهادة, d'une école citoyenne, مدرسة مواطنة, مدرسة مواطنة. لماذا؟ لأنها أعطت كتب إلى هذه المدرسة الأخرى. Les enfants en jour, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bravo les amis, أحسنتم يا أصدقاء. Racontez-nous ce que vous avez fait, احكوا لنا ماذا فعلتم. Racontez un événement social, c'est le titre. العنوان هو racontez un événement social, احكي حدثا اجتماعيا. Racontez-nous ce que vous avez fait, احكوا لنا ماذا فعلتم. D'abord, nous avons été reçus, لقد استقبلنا. Par la directrice de l'école, من طرف مديرة المدرسة. Ensuite, nous avons chanté l'hymne national. لقد غنينا النشيد الوطني أو رددنا النشيد الوطني avec les élèves de l'école, مع تلاميذ المدرسة. Qu'est-ce que vous avez fait après? ماذا فعلتم بعد? Nous sommes allés dans la salle de bibliothèque. لقد ذهبنا إلى قاعة المكتبة. Vous avez donné des livres à nos camarades de cette école. هل أعطيتم كتبا لرفاقنا في هذه المدرسة؟ Non, là. Ensemble, جميعا, nous avons rangé les livres dans les rayons de la bibliothèque. لقد رتبنا الكتب في
رفوف المكتبة. Avant notre retour, قبل رجوعنا, la directrice nous a remercié, المديرة شكرتنا, et nous a remis le diplôme d'une école citoyenne, وأعطتنا شهادة المدرسة المواطنة. Les enfants, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit bravo les amis, أحسنتم يا أصدقاء. Maintenant, on passe aux exercices. Qu'est-ce que l'association des parents a apporté à cette école? ماذا أحضرت هذه جمعية الآباء لهذه المدرسة؟ Regardez ici les livres. Elle a apporté des livres. L'association a apporté des livres. الأسئلة مكتوبة في الأخير سأعرضها هنا. Qui sont les apprenants qui accompagnent l'association des parents? Qui sont les apprenants qui accompagnent l'association des parents? Ce sont les apprenants de la coopérative scolaire. هذوهم أعضاء التعاونية المدرسية. Que font ces personnes dans la troisième image ici? Que font les personnes dans la troisième image? Ils rangent, ils ouvrent les cartons et rangent les livres dans les rayons de la bibliothèque. Ici les rayons de la bibliothèque. إذن يفتحون العلب الكرتونية ثم يرتبون الكتب في رفوف المكتب. Connais-tu une association? Connais-tu ici? Regardez. Connais-tu une association? هل تعرف جمعية ما? Je donne le nom d'une association. On a vu ça après. Le cœur, association de cœur généreux. Association cœur généreux. Par exemple. إذن هل تعرف جمعية ما؟ أنا أعطيت اسم جمعية كور جينيرو قلب سخي. Voilà les exercices. Avant l'écoute, 1. Quelles sont les personnes figurent sur l'image? Les personnes qui figurent sur l'image sont les apprenants d'une école avec leurs enseignants. إذن من هم الأشخاص موجودون في الصورة؟ إذن هم المتعلمون في المدرسة مع أساتذتهم avec leurs enseignants. La deuxième question, où se trouvent-ils? Ils sont dans la cour d'une école. Ils sont dans la cour d'une école. إنهم موجودون في ساحة المدرسة. Qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent l'hymne national. يغنون أو يرددون النشيد الوطني. Après l'écoute, l'association des parents a apporté des livres. 5. Ce sont les apprenants de la coopérative scolaire et ils sortent les livres des cartons et rangent les livres dans les rayons de bibliothèque et rangent les livres dans les rayons de bibliothèque. Pour l'exercice, pour la question 7, donne le nom d'une association, association cœur généreux. Et voilà, je termine la vidéo. Bon apprentissage et à la prochaine, Inch'Allah.